Dix citations. Thème. Âme. 1. Il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. Aristote. Cette citation d'Aristote signifie que la beauté de l'âme, c'est-à-dire les qualités internes d'une personne comme la bonté, l'intelligence, la générosité, est plus difficile à percevoir que la beauté physique extérieure. En d'autres termes, il est plus facile de juger quelqu'un sur son apparence physique que sur ses qualités intérieures. Aristote souligne ainsi l'importance de ne pas se contenter de juger les gens sur leur apparence, mais de chercher à comprendre et apprécier ce qui se trouve à l'intérieur de chaque individu. 2. L'âme au point de rencontre de notre néant avec la lumière qui nous en sauve. Christian Bobin Dans cette citation de Christian Bobin, l'auteur évoque le concept de l'âme en la reliant à deux éléments essentiels. Notre néant et la lumière qui nous sauve. Le néant représente ici notre vide intérieur, nos questions existentielles, nos doutes et nos peurs c'est le point de départ de notre réflexion sur nous-mêmes et sur le sens de notre vie. La lumière qui nous en sauve symbolise quant à elle l'éveil spirituel, la découverte de la vérité, de la beauté et de la transcendance. C'est ce qui vient éclairer notre obscurité intérieure, apaiser nos tourments et nous guider vers la paix intérieure. Ainsi, l'amener au moment où notre néant entre en contact avec la lumière salvatrice, où nos questionnements rencontrent des réponses, où notre obscurité intérieure est illuminée. C'est à ce point de rencontre que se forme notre essence spirituelle, notre âme. 3. Le corps cherche le repos, et l'âme l'aventure. Christian Bobin Cette citation de Christian Bobin le corps cherche le repos et l'âme l'aventure exprime l'idée que nos besoins et désirs sont souvent contradictoires. Le corps, qui représente notre côté physique et matériel, a tendance à rechercher le confort, la tranquillité et le repos. En revanche, l'âme, qui symbolise notre essence intérieure et spirituelle, est en quête d'aventure, de découverte, de défis et de croissance personnelle. Ainsi, cette phrase souligne le conflit entre nos besoins physiques et nos aspirations spirituelles. Elle met en lumière le fait que l'être humain est souvent tiraillé entre le désir de se reposer, de se sentir en sécurité et le désir d'explorer, de vivre des expériences nouvelles et de se dépasser. C'est une invitation à trouver un équilibre entre ces deux aspects de notre être pour mener une vie épanouie et enrichissante. 4. Dans les dîners d'hommes, il y a une tendance à parler de l'immortalité de l'âme au dessert. Edmond et Jules de Goncourt Cette citation des frères Edmond et Jules de Goncourt fait référence à une observation sur le comportement des hommes lors des dîners. En disant, Dans les dîners d'hommes, il y a une tendance à parler de l'immortalité de l'âme au dessert. Les auteurs mettent en lumière le fait que, souvent, les conversations sérieuses ou profondes sur des sujets philosophiques ou spirituels ont tendance à survenir à la fin du repas, pendant le dessert. Cela souligne peut-être une certaine superficialité ou légèreté dans les discussions des hommes lors de ces réunions, réservant les sujets plus profonds pour la fin du repas, lorsque l'ambiance est plus détendue. 5. La croyance consiste à accepter les affirmations de l'âme. L'incroyance alignée. Quelques esprits sont incapables de scepticisme. Ralph Waldo Emerson Ralph Waldo Emerson, un écrivain et philosophe américain, a écrit, La croyance consiste à accepter les affirmations de l'âme. L'incroyance alignée. Quelques esprits sont incapables de scepticisme. Cette citation souligne l'importance de la foi et de la croyance en quelque chose de plus grand que soi. Emerson suggère que croire, c'est écouter les voix de notre âme, de notre intuition, et accepter ces vérités intérieures. En revanche, l'incroyance consiste à rejeter ces affirmations de l'âme, à nier cette sagesse intérieure. Il mentionne également que certains esprits sont incapables de scepticisme ce qui peut signifier que certaines personnes ont une foi inébranlable, une confiance totale en leurs convictions intérieures, sans remettre en question ou douter de celles-ci. En résumé, cette citation invite à écouter notre voix intérieure, à croire en nos intuitions profondes et à reconnaître que la foi et la croyance sont des aspects importants de notre être. 6. Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. Romain Roland Cette citation de Romain Roland exprime le lien profond entre la musique et l'âme humaine. Selon lui, la musique est si précieuse pour nous parce qu'elle parvient à exprimer les émotions les plus profondes de notre être. La musique est comme la langue de notre âme. Elle nous permet de communiquer nos joies et nos peines de manière harmonieuse et universelle. Ainsi, la musique transcende les mots et touche directement notre essence intérieure, nous permettant de ressentir et de comprendre des émotions au-delà de ce que les mots pourraient exprimer. 7. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même. Car l'amour est la beauté de l'âme. Saint Augustin Cette citation de Saint Augustin exprime l'idée que lorsque l'amour se développe en nous, notre perception de la beauté s'améliore également. Selon lui, l'amour est ce qui rend l'âme belle, et cette beauté intérieure se reflète dans notre vision du monde extérieur. En d'autres termes, plus nous cultivons l'amour en nous, plus nous sommes capables d'apprécier et de reconnaître la beauté qui nous entoure car l'amour éclaire et embellit notre regard sur la vie. 8. Donnez-moi la beauté de l'âme pour que l'intérieur et l'extérieur soient en harmonie. Socrate. Socrate, philosophe grec, a dit, Donnez-moi la beauté de l'âme pour que l'intérieur et l'extérieur soient en harmonie. Cette phrase signifie que Socrate accordait plus d'importance à la beauté intérieure, c'est-à-dire la bonté, la sagesse, la vertu, plutôt qu'à la beauté extérieure, comme l'apparence physique. Il croyait que pour être en harmonie, il est essentiel de cultiver la beauté de l'âme, car c'est ce qui définit vraiment une personne et influence sa relation avec le monde extérieur. 9. L'homme est une prison où l'âme reste libre. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo, L'homme est une prison où l'âme reste libre, peut être interprétée de différentes manières. En général, elle suggère que malgré les limitations et les contraintes de la condition humaine, l'esprit ou l'âme de l'homme conserve une certaine liberté intérieure. Hugo semble exprimer ici l'idée que même lorsque notre corps est soumis à des contraintes physiques, sociales ou morales, notre esprit peut toujours rester libre de penser, de rêver, d'imaginer et de choisir. Cela souligne la capacité de l'être humain à trouver une forme de liberté intérieure et de résilience face aux difficultés et aux limitations de la vie. 10. Aucune loi de la nature n'a jamais dénaturé mon âme comme l'a pu anéantir la nature de l'homme dans l'ivresse de sa pseudo-science. Michel Feguin Cette citation de Michel Feguin peut être interprétée de la manière suivante. L'auteur exprime le fait que, contrairement aux lois naturelles qui n'ont jamais altéré sa véritable essence, l'humanité, dans son excès de confiance en des connaissances fausses ou trompeuses, peut détruire sa propre nature. En d'autres termes, Feugain met en garde contre les dangers de se laisser emporter par une fausse science qui pourrait mener à la perte de notre humanité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.